Ricky? Oui, Gaspard? À la tienne. Tu sais, je dois t'avouer que j'ai eu vraiment peur que tu aies quelque chose de grave à me demander. Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Je n'osais pas vraiment ces derniers temps. Je voulais pas en rajouter. Oui, Gaspard? C'est dur à dire, mais Ricky, pourquoi es-tu aussi intransigeant? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être parce que papa m'a baptisé? Excuse-moi, je n'étais pas au courant. Bien sûr que non! Enfin, papa me baptisait. Mais attends un peu. Dois-je comprendre que tu as cru à cette histoire incroyable? Non, évidemment que non. J'avoue que je suis un peu choqué. Après tout ce que nous avons vécu, crois à cette histoire infâme, Gaspard. Rappelle-toi, cela fait des années que nous nous côtoyons. Nous avons fait maintes et maintes choses. Des balades en forêt, chercher les champignons, cueillir les mirabelles. J'aimerais quand même que tu te souviennes que je te sauva des griffes d'un dragon, que je te sauva des griffes d'un utérus, celui de Barbara. Gaspard! Ne me prends pas sur ce ton et ne me touche pas! Oh, Ne me Ricky, touche pas! ne mets pas ça sur le tapis, s'il te plaît. Ah, je suis choqué! Et on se dit ami et on se dit amant et c'est pour la vie! Mais attention, Gaspard! Ça va péter entre nous si ça continue! Ça va péter! Hein? Ne le prends pas comme ça. Baptisé! Sur demande de papa! Moon. We stop it when it's all bad.